Dans le cadre de la sensibilisation des parties prenantes suite aux engagements du pays à travers la contribution déterminée au niveau national CDN du secteur énergie et suite à une série de formations de la société civile, un atelier de sensibilisation et d'information du secteur privé sur la CDN a eu lieu ce mercredi 11 octobre 2023 à Bamako. Un mot de remerciement à l'endroit donc du ministère de l'Environnement et de l'agence pour ce projet phare en faveur donc du secteur privé, en l'occurrence l'électrification rurale. Donc nous souhaitons vraiment plein succès pour vraiment les travaux de ce présent atelier d'information et de sensibilisation des acteurs de l'énergie, de l'électrification rurale. Cela intervient dans le cadre du projet d'électrification rurale de 50 localités dans les régions de Kaya, Koulikoro, Sikasso et Ségou par des systèmes photovoltaïques. Mesdames et messieurs les représentants du secteur privé du Mali, mesdames et messieurs les représentants des services techniques de l'État, mesdames et messieurs de la presse publique et privée, distingués invités, au nom du directeur général de l'Agence des énergies renouvelables, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cet atelier de sensibilisation et d'information des membres du secteur privé du Mali sur la contribution déterminée au niveau national et sur l'apport du projet d'électrification rurale de 50 localités dans les 4 premières régions du Mali. Soyez encore des bienvenus. L'heureux événement qui nous réunit ce jour constitue pour nous un espoir pour l'électrification rurale à base d'énergie solaire au Mali. En effet, après le lancement du projet qui a eu lieu en juin 2023, les premières activités de ce projet consistent à l'information et à la sensibilisation sur l'énergie solaire et ses contributions pour l'atteinte des CDN au Mali. Le projet qui nous réunit aujourd'hui a été financé par la Banque Ouest-Africaine de Développement et le Fonds vert pour le climat à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Je remercie ici toutes les personnes qui nous ont permis d'avoir ce financement, en particulier l'AIDD qui nous a permis avec le Fonds vert climat de décrocher cet important financement. Mesdames et messieurs, ce projet offre un changement total dans la production d'énergie, c'est-à-dire le remplacement de l'énergie fossile que nous connaissons d'habitude par les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire photovoltaïque. Mesdames et messieurs, au cours de cet atelier d'échange, vous bénéficierez de présentations qui vont vous donner plus d'éclairage sur les questions d'engagement du Mali en matière de changement climatique et les différents résultats attendus du projet d'électrification rurale de 50 localités. Donc je remercie la BOAD, le Fonds vert climat et encore l'AIDD pour leur appui pour le présent projet. Sékou Koné, directeur adjoint de l'AIDD. D'appropriation et de sensibilisation des acteurs du secteur privé sur les engagements du Mali contenus dans la contribution déterminée au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris pour le secteur de l'énergie. Je voudrais, au nom de Monsieur le directeur général, vous remercier très sincèrement pour avoir répondu à notre invitation et pour avoir effectué le déplacement. Soyez-en vivement remerciés. Comme vous le savez, le Mali est très vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques. Pour y faire face, diverses actions ont été entreprises, notamment la signature et la ratification d'un certain nombre de conventions, comme la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris sur le climat dont découle la contribution déterminée au niveau national. Également, pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, a mobilisé des financements pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets
dont le projet qui nous réunit ce matin, le projet d'électrification rurale de 50 localités en photovoltaïque. Ce projet, dans sa mise en œuvre, va contribuer à aider le Mali dans le cadre de ses engagements chiffrés au niveau de la contribution déterminée au niveau national. Comme vous le savez, nous avons une contribution déterminée au niveau national avec des secteurs et des engagements chiffrés. Il y a l'agriculture, il y a l'énergie, il y a la foresterie et les changements d'affectation des terres, il y a également le secteur des déchets. Maintenant, la rencontre qui nous réunit ce matin va porter non seulement sur le projet, également sur la CIDEN, mais avec un focus sur les engagements chiffrés en termes d'ambition, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l'énergie. Donc ce projet, s'il est mis en œuvre, il va quand même aider le Mali à honorer ses engagements et au niveau national et au niveau international. C'est pourquoi nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, signé une convention de partenariat, de collaboration avec l'Agence des énergies renouvelables par rapport à la composante renforcement des capacités de ce vaste projet au niveau national. Il y a une série d'activités qu'on a initiées. Aujourd'hui, c'est le tour du secteur privé. On a fait avec les femmes, on a fait avec la société civile. Aujourd'hui, c'est le secteur privé. Et le secteur privé, quand même, a un rôle à jouer. D'abord, le secteur privé est très vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques aussi. Le secteur privé aussi peut contribuer dans le cadre de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire ce matin de renforcer vos capacités sur la CEDER, notamment sur le volet secteur de l'énergie, et aussi vous informer que dans le cadre de la mise en œuvre de la CEDER, le secteur privé, avec le secteur privé, nous avons signé un plan d'engagement, un plan stratégique d'engagement dans lequel le secteur privé s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, s'est engagé aussi à renforcer ses capacités et aussi mobiliser des ressources pour le financement des projets et programmes. Au niveau de l'ADD, je pense que nous venons tout juste de mobiliser des millions de dollars pour renforcer la capacité du secteur privé. Certainement que vous aurez l'information au moment opportun. Et à travers ce financement que nous avons également obtenu du Fonds vert pour le climat, il s'agira pour nous de renforcer vos capacités par rapport au changement climatique. À ce niveau, on a constaté qu'il y a quand même des insuffisances, des lacunes. Il faudrait qu'on renforce vos capacités par rapport au changement climatique, par rapport à la finance climatique aussi, parce qu'il y a des opportunités au niveau international, certainement que le secteur privé au niveau national n'est pas au courant. Donc il faut renforcer leurs capacités par rapport à toutes ces opportunités au niveau international pour nous permettre de mobiliser des ressources. Donc on a mobilisé ces financements au niveau du Fonds vert pour le climat, qu'on va mettre à votre disposition à travers le renforcement des capacités et pourquoi pas vous aider à monter des notes conceptuelles, à soumettre au Fonds vert pour le climat pour mobiliser des ressources. Ce financement, il est déjà disponible. Au moment opportun, on va prendre contact avec vos représentants au niveau national et par rapport à la conduite à tenir. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, le secteur privé également a un rôle à jouer, et surtout dans le cadre du mécanisme pour un développement propre. Ça, c'est l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. À ce niveau, le secteur privé, certainement, il y a certains industriels parmi vous qui ont des industries. Donc à ce niveau, il y a des émissions qui sont faites, qui sont constatées à ce niveau. Donc, je pense qu'au niveau international, il y a des financements, vous pouvez les mobiliser pour faire face à certains problèmes au niveau national. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet aussi, certainement qu'il y aura des appels d'offres, parce qu'on a dit l'électrification rurale, 50 localités par des photovoltaïques. Vous êtes des industriels, vous représentez certains industriels ici. Certainement qu'au moment du lancement des appels d'offres, certainement que le secteur privé pourra se positionner, certainement pour avoir des financements dans le cadre de ce projet. Encore, je voudrais, au nom du directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable, remercier l'Agence des énergies renouvelables pour la bonne collaboration entre nos deux structures. Nous travaillerons davantage à raffermir très sincèrement et très objectivement cette coopération liée à l'Agence des énergies renouvelables. Je voudrais aussi, par la même veine, remercier au nom du directeur général de la RDD tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, particulièrement le Fonds vert pour le climat, parce que c'est le Fonds vert qui a financé ce projet pour le Mali.
qu'il en soit remercié également les autres partenaires que je ne vais pas certainement citer ici, qu'il en soit remercié. Et remercier vous, représentants de la secteur privé, pour avoir répondu massivement à notre invitation. Nos amis de la presse qui nous accompagnent, avec lesquels nous travaillons nuit et jour. Alors, en vous souhaitant quand même des échanges très riches et fructueux, je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'information. Moi, j'ai ajouté appropriation aussi, hein, parce qu'il y a l'appropriation aussi, parce que la CEDEN est là. Il y a des engagements pour le secteur de l'énergie, mais aussi dans la CEDEN, il y a quand même des volets qui concernent les secteurs privés. Donc, cette rencontre va vous permettre, parce qu'il y aura des présentations sur le projet, le représentant de l'AER l'a dit, sur le projet, sur la CEDEN avec un focus sur le secteur de l'énergie et pourquoi pas le rôle du secteur privé dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. On va vous présenter aussi l'accord de Paris sur le climat dont découle la CEDEN. Donc en vous souhaitant des échanges riches et fructueux, je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'information, de sensibilisation et d'appropriation des acteurs du secteur privé sur les engagements du Mali contenus dans la contribution déterminée au niveau national pour le secteur de l'énergie. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame Berthe Minia Bengali, la vice-présidente du patronat chargée des relations extérieures. Alors, tout d'abord, je remercie tous les auditeurs. Bonjour à tous. Je suis Madame Berthe Minia Bengali, la vice-présidente du patronat chargée des relations extérieures et la présidente de la commission RSE. Nous sommes en partenariat avec l'AEDD pour avoir signé une charte d'engagement sur le secteur, du secteur privé pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons le même objectif pour lutter contre les changements climatiques. La CEDEN, c'est la contribution déterminée au plan national qui est issue de l'accord de Paris sur le climat. Donc nous sommes à sa deuxième révision et nous sommes engagés, nous, le secteur privé, à faire en sorte qu'il y ait une production plus propre. Et la production plus propre ne peut se faire qu'à travers l'efficacité énergétique ou la transition énergétique. Donc cet atelier de sensibilisation et d'information sur le projet qui est en cours, sur l'électrification rurale de 50 localités, vient à point nommé pour le secteur privé, non seulement parce que nous sommes acteurs, mais en plus nous sommes bénéficiaires à plus d'un titre. Le secteur privé est dans toutes les localités de la République du Mali. Vous avez vu la présence de tous les CPR du Mali, les conseils patronaux de région qui sont représentés ici pour assister à cet atelier. C'est pour montrer l'importance au plus haut point pour le secteur privé, la fêtière du secteur privé qui est le patronat, de ce processus de migration vers la transition énergétique, ou du moins l'efficacité. Alors ce qui est attendu de cet atelier déjà, c'est qu'on soit bien informé, qu'on s'approprie le concept, qu'on s'approprie la CEDEN dans tous ses aspects, toutes ses composantes, et que ceci soit un tremplin pour le secteur privé de mettre cela en œuvre avec l'accompagnement de l'AEDD, comme vous venez de l'entendre. Pas seulement l'AEDD, mais en accédant au fonds climatique, au fonds vert. Parce que qui dit secteur privé dit refinancement. Et aujourd'hui, le financement classique n'opère plus au niveau de nos structures. Et nous avons besoin d'être refinancés, mais d'un refinancement durable et à impact pour le volet social et environnemental. Que la communauté malienne sache que le secteur privé est en train de faire des efforts vers la résilience, vers l'adaptation et voire même vers tout ce qui est positif contre les changements climatiques. Doudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.